C'est parti pour cette septième épreuve, 1400 mètres. Sergeant York bien parti à l'intérieur. On retrouve Duke of Abercorn également dans le peloton de tête, mais pour l'instant pris en épaisseur. Yoho Mist, Italian Way sur les barres en 2e-3e position. Charlie Squadron se place en 5e position côté corde. Spotted Pearl à son extérieur et Street Bite ferme le cortège. Sergeant York donc aux abords du tombeau à l'Arctique qui a l'avantage avec Bernard Feder, une longueur d'avance sur Yoho Mist. Italian Way idéalement placé sur les barres en 3e position. Duke of Abercorn n'est pas mal à l'extérieur de Charlie Squadron qui est en train de tirer la bande de Yanish Teka sur les barres. Ensuite on retrouve le gris Spotted Pearl en dehors et fermant le cortège Street Bite à 600 mètres de l'arrivée avec Sergeant York contrôlé par Bernard Feder en tête de longueur d'avance sur Yoho Mist. Italian Way, Duke of Abercorn, Spotted Pearl va commencer son effort. Charlie Squadron obligé d'attendre l'ouverture maintenant et Street Bite repris par Souffol en dernière position à l'entame du dernier virage avec le favori Sergeant York qui tente de repartir. Duke of Abercorn va s'extirper du peloton pour foncer sur lui. Sergeant York qui part un peu vers l'extérieur, ramené vite par son cavalier. Sergeant York, Street Bite à l'intérieur, va tenter un retour, mais Sergeant York a fait le plus difficile et se détache pour s'imposer par 4 longueurs pour la 2e place. Street Bite à l'intérieur face à Charlie Squadron.